J'exerce la profession donc de secrétaire dans l'ensemble en éducation nationale, dans l'éducation nationale depuis 36 ans, après avoir fait plusieurs remplacements, mais après avoir établi plusieurs postes et être allé dans plusieurs postes différents, avoir fait des tâches diverses et variées dans l'administration, pas seulement au lycée Raimbault. Alors, mon rôle est un rôle pédagogique, puisque en tant que personnel de direction, je dois veiller au meilleur accueil possible des lycéens pour favoriser leur réussite professionnelle, enfin leur réussite scolaire et à terme donc professionnelle, puisque l'objectif en fait c'est qu'ils gagnent en qualification. Mon rôle est d'essayer de créer un climat de confiance et de valoriser, je dirais, les initiatives individuelles et collectives pour que la collectivité se porte le mieux possible afin d'avoir un climat le plus serein. En gros, pour faire très simple, essayer de créer des synergies pour que le groupe soit le plus performant possible. Alors, le proviseur, c'est le représentant de l'État. Donc, c'est une nomination qui est ministérielle. Et à ce titre, donc, je suis censé mettre en place la politique nationale et académique de l'éducation nationale. Donc, des missions de pilotage, des missions d'encadrement, des missions de gestion du personnel, des missions de gestion financière, des missions de représentation à l'extérieur auprès de tous les partenaires. Je suis Patrick Martinelli, puis je suis adjoint gestionnaire ici dans l'établissement. J'ai travaillé pendant des années dans le privé, et puis comme le marché de l'emploi devenait de plus en plus compliqué, j'ai passé des concours administratifs. Et en passant des concours administratifs, j'ai eu le concours d'attaché externe qui m'a permis de rentrer dans l'éducation nationale. Alors, moi je suis responsable d'équipe, donc mon rôle c'est de pallier à tout le fonctionnement en fait du lycée, c'est-à-dire au niveau de la maintenance et au niveau de l'entretien. En fin de compte, je suis femme, en général on dit ça adjoint technique territoriale, mais quand on dit ça, il n'y a personne qui comprend. Donc en fin de compte, je suis femme de ménage, je suis aussi bien à la plonge, en cuisine, qu'aux étages, au service de nettoyage. J'ai pas de problème avec l'image de mon emploi, aucun problème là-dessus. Je fais du ménage, j'en ai pas honte et j'aime bien. Bon, moi, ça peut être pénible, il y a je vois pendant les permanences, on fait quand même les grandes permanences, il faut qu'on lave les plafonds, les murs ici et là. C'est dur, c'est vrai que... Mais je vous dis, c'est ça, c'est que, ouais, voilà, il y a cette ambiance, il y a cette solidarité qui est entre nous, qui fait que on aime venir travailler malgré la dureté du boulot, on le fait de bon cœur quand même, parce que voilà. Bonjour madame. Je viens chercher Camille Gannard. Ah oui, d'accord, madame Gannard. Donc je vais vous demander une petite signature, madame, s'il vous plaît, ici, et j'appelle l'infirmière. Alors, mon travail déjà consiste à arriver le matin à 8h pour dire d'allumer les lumières, d'être là pour accueillir les professeurs, les assistants qui viennent, les assistants d'éducation, accueillir aussi les personnes handicapées qui arrivent avec un fauteuil roulant et des ustensiles qu'on doit leur prendre, tels que des déambulateurs, et ensuite prendre les appels aussi concernant les absences, surtout des élèves, et en particulier des professeurs. Parce que ça, c'est ce qui prime en plus. Hein. C'est ce que je dois faire parvenir tout de suite à monsieur le proviseur pour dire que ça revienne tout de suite aux surveillants et savoir si les élèves ont cours ou pas, les prendre en charge ou pas. Alors moi, ici, je suis le plombier chauffagiste. D'accord. Vous travaillez depuis combien de temps ici? 9 ans. D'accord. Et avant, vous faisiez exactement le même métier? J'étais dans un collège avant. D'accord. Depuis quand avez-vous choisi de faire ce métier? Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Et pourquoi avoir choisi celui-là? Je travaillais comme soudeur. Dans le privé. D'accord. J'ai perdu un œil. Un œil? Il y a les deux là. Ah, il y a beaucoup. Ah, d'accord. Donc j'ai dû faire une reconversion. Et puis je suis atterri ici.
Mais ça vous plaît? Oh. Ouais. J'ai différents métiers, je vais dire, je prends un bus automobile pendant 20 ans. D'accord. Et ça fait 5, 6 ans que je suis ici au lycée. Je travaille sur tout ce qui est intervention électrique dans le lycée, une partie du chauffage. Moi, j'avais un métier tout autre au départ, j'étais coiffeuse. Ah. Donc, ça n'a rien à voir avec ce métier ici, mais comme j'ai arrêté pendant 10 ans de travailler pour élever mes enfants, lorsque j'ai voulu reprendre des activités, bon, bah, je me suis inscrite au chômage et on m'a proposé un contrat de 20 heures par semaine, ce qui me convenait tout à fait étant donné que les enfants étaient petits. Et j'ai fait 2 ans de contrat CES. Ensuite, l'attendant du lycée de Douai, lycée technique, m'a proposé de rentrer comme contractuel. Donc, c'est-à-dire que je remplaçais les agents absents. Je faisais partie du rectorat à l'époque, hein, que maintenant je fais partie de la région. Dans l'éducation nationale, j'ai commencé une carrière en tant qu'enseignant, petite dizaine d'années. Ensuite, j'ai fait 4 années de principal adjoint dans un collège du Cambrésis. Et là, j'entame ma 2e année donc, au lycée Arthur Rimbaud de Saint-Lenoble. Avant d'exercer la fonction de personnel de direction, j'ai été CPE, conseiller principal d'éducation, pendant quelques années. Et au tout début de ma carrière, donc, j'ai été surveillant et après j'ai enseigné les mathématiques comme professeur. Et j'ai choisi donc en 1995 de réorienter ma carrière. Donc j'ai dirigé différents types d'établissements, 4 collèges. 4 collèges différents, avec des effectifs qui variaient entre 500 jusqu'à 900 élèves, et un lycée professionnel, tertiaire hôtelier, et je suis arrivé donc ici en 2013. J'étais passionnée d'histoire parce que je lisais depuis l'enfance énormément de livres, d'histoires, concernant surtout la mythologie, etc. C'était ma passion, mais c'était une passion de jeunesse que je n'aurais pas pu concrétiser, étant donné que je n'ai pas fait d'études longues après le bac. Alors, mes passions, j'aime bien le sport. Et donc, ma passion vraiment au niveau du sport, c'est le tennis. Donc, j'en fais régulièrement une fois par semaine. Sinon, je fais beaucoup de marche avec mon épouse. Parce que la course à pied, elle ne peut pas trop donc, au niveau de son dos. Donc, on compense par la marche. Quoi. Donc, je fais beaucoup de marche. Et puis, je bricole énormément. La lecture, avant tout, j'adore lire. Le jardinage, j'aime beaucoup. Et j'aime les bons films. Je ne vais jamais au cinéma parce que je suis très casanière. J'aime regarder chez moi un bon film, tranquille. Voilà. La moto. Hein, je roule plus beaucoup en moto, mais j'ai toujours une moto. Donc la moto et puis la famille. Sortie cinéma, sortie théâtre entre amis, énormément de lecture et essentiellement sortie restaurant entre amis, ce qui est assez classique sur notre génération en gros en ce moment en fait. Voilà. Chant, j'ai oublié le chant. J'ai oublié le chant. Alors mes loisirs sont variés. J'aime le sport, je suis quelqu'un d'assez sportif donc je cours beaucoup, je fais beaucoup de VTT et puis voilà je. J'ai aussi sport intellectuel, j'aime bien jouer aux échecs. Enfin, voilà. Donc les loisirs sont d'un point de vue on va dire physique important. Je cours beaucoup et j'essaie de faire beaucoup de sport. Et puis j'ai des loisirs plus culturels, j'adore aller au cinéma, j'adore lire, j'aime découvrir l'art, la peinture, enfin voilà. Donc j'ai vraiment des loisirs assez le théâtre, des loisirs assez multiformes, on dira. Alors bon, j'ai une passion qui m'occupe pas mal de temps, je suis passionné de véhicules anciens, de voitures anciennes, et lorsque j'ai un peu de temps, je restaure, enfin beaucoup moins maintenant, puisque le temps devient, lorsqu'on vieillit, on a de moins en moins de temps, mais enfin je m'occupe, on va dire encore, de véhicules anciens, et donc dans le bureau d'ailleurs, bon, il y a une voiture là-bas, qui est la mienne, qui est de 1936. C'est une de mes grandes passions. Après, lorsque je suis en vacances, j'aime beaucoup pêcher. Je ne pêche qu'en vacances, mais j'aime pêcher en vacances. Ça me détend. Et puis voilà, c'est une grande passion comme ça. Et puis après, bon, j'aime lire, j'aime la musique, j'aime plein d'autres choses. Mais c'est vrai que la voiture ancienne est une de mes passions depuis bien avant que j'ai le permis, d'ailleurs. Depuis 15-16 ans, j'ai toujours été passionné par la voiture ancienne.
Je rêvais d'avoir une traction lorsque j'avais 20-25 ans. Mon grand-père en avait une, et puis bon, j'ai réalisé ce rêve il y a quelques années maintenant. J'aimerais bien faire certaines choses, mais je n'ai pas le temps. J'aimerais bien aller à la piscine avec mon mari, mais c'est le dimanche, et le dimanche, j'ai bien d'autres choses à faire, parce que je travaille toute la semaine. Enfin, j'ai mon mercredi, je travaille à 80%, mais le mercredi sert à faire les courses, le ménage, donc je n'ai pas le temps. Quand j'étais petit, je voulais être garagiste. Bon, je crois que maintenant, je suis un peu vieux, hein, mais pour devenir mécanicien, mais bon, ça, je sais pas, ça serait peut-être à ma retraite. On ne sait pas. Mon rêve, c'est de surtout d'être bien, quoi, d'être libre, profiter, quoi, profiter. C'est ça surtout. Il n'y a pas forcément un rêve. Il y en a, ils rêvent d'avoir un véhicule. Il y en a, c'est un rêve. Bon, j'en ai constamment des rêves en fait, j'en ai plein, mais des rêves en fait réalisables aussi. Hein. Il y en a qui peuvent rêver, mais à des rêves inaccessibles. Mais là, il faut pas grand chose en fait pour être bien aussi. Moi, c'est surtout être bien en fait. Un rêve en général, de façon autre que la profession, parce qu'il n'y a pas que la profession, j'aurais carrément aimé être sur une île déserte en fait. Bah, je trouve qu'on vit dans une société très violente, extrêmement désagréable pour les gens un peu fragiles, et je considérerais que ce serait vraiment, c'est un peu utopique de dire cela, mais qu'il y ait un peu moins de violence autour de nous, ce serait un rêve, un beau rêve. Mon plus grand rêve, ça c'est une question qui est pas facile du tout. Je dirais mon plus grand rêve, je sais pas si c'est réalisable, c'est qu'il y ait la paix dans le monde.